Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Conné, a présidé ce jeudi 2 décembre 2021, la cérémonie de remise de diplôme de la deuxième promotion du Master Professionnel en Management des Grands Projets de Construction, MPMGPC. Cette promotion a effectué 12 mois de formation dont 6 mois théoriques à l'Institut National Polytechnique Oufoué-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro et 6 pratiques au sein de l'entreprise PFO Africa. À ces jeunes qui ont reçu leur parchemin cet après-midi des mains de leur premier responsable, je vous souhaite une longue et belle carrière dans ce secteur plein d'opportunités qu'est celui de la construction, a félicité le ministre Bruno Conné, avant de dire sa fierté de pouvoir désormais compter sur ces jeunes diplômés pour nous accompagner dans l'accomplissement de nos missions. Tout en saluant le partenariat entre PFO et l'INPHB, Nguès Sankofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et parrain de la promotion, a souligné que la formation permet d'aboutir à une véritable adéquation formation-emploi, ainsi qu'à la mise à disposition de compétences pour le bon fonctionnement de nos administrations. Ancien directeur général de l'INF, la promotion a été baptisée en son nom. Pour Clyde Fekouri, administrateur général adjoint de PFO Africa, son entreprise place beaucoup d'espoir aux jeunes talents. Nous, entreprise du BTP, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de jeunes talents qui, au-delà de l'aspect technique du métier, ont acquis le leadership, la capacité de prise de décision et d'initiative, la gestion d'équipe, l'anticipation, la coordination. Tout cela s'apprend et c'est bien là l'objectif de ce master, a-t-il dit. Le directeur général adjoint de l'INF, Georges Loum, a pour sa part salué toutes les actions entreprises pour que le partenariat signé avec l'INF de Yamoussoukro soit actif et fructueux. Quant au président de la deuxième promotion du MPMGPC, Maxime Dehery, il a remercié le gouvernement ivoirien et PFO Africa Côte d'Ivoire pour l'immense opportunité donnée de faire partie de cette nouvelle génération de managers reconnus.